Mathieu Brébard, violon de Bèze, avait été arrêté cet été. Il a couru en progrès en dernier lieu. Ouais, la dernière fois c'était bien. J'ai pu venir aux avant-postes. Il m'a embêté un petit peu pour finir. J'ai pas pu le lâcher correctement. Donc encore 2-3 petits trucs à régler. Mais la condition physique est bonne. Donc il a dû monter en condition sur cette course. Là il retrouve un 2100 en seconde ligne. Sur la distance, je pense qu'il est à l'aise. Donc après, il aime bien être aux avant-postes. Donc là, je pense que je vais pas pouvoir venir devant. On va subir la course, mais bon, vu sa dernière sortie, je pense qu'il peut prendre une bonne place. Vous l'avez senti prêt à refaire parler de lui? Ouais. C'est un cheval qui a eu des ennuis de santé et tout, donc il a été arrêté un petit moment, mais là, il a l'air de retrouver la bonne carburation. Donc il a pas une grosse marge, c'est sûr. Mais si le parcours est fluide et que je peux le préserver dans le quintet, c'est jouable. Il va commencer à être équipé course là. Ça y est, premier objectif. Oui, c'est sûr que là il va être déferré. La dernière fois j'ai déferré des 4 et souvent sur le sable je le fais pas, je le défère que devant. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a embêté un petit peu en fin de parcours. Donc il sera de nouveau déferré des antérieurs seulement. Donc faut pas s'inquiéter, à chaque fois qu'il a fait ses bonnes perfs, c'était souvent que des A.